Et bonjour à tous, tout le monde, on se retrouve pour ce sixième épisode de Naruto Ultimate Ninja Storm 2 sur la chaîne. On s'était arrêté au dernier épisode dans le repère d'Orochimaru pour essayer de retrouver Sasuke. Voilà, on avait fait des combats de fous, etc. Des combats de boss, machin. Naruto s'était transformé en démon à queue, en Kyuubi. Et voilà, donc on va continuer le jeu tranquillement. On devait venir par ici, je pense, pour essayer de voir si Sasuke était là. Nous sommes toujours au chapitre 2, hein. Donc voilà. Donc ici on a pas mal de... On voit où il faut aller, mais on va aussi faire un petit tour, hein. On va aussi faire un petit tour, prendre des objets, etc., etc. Parce que tant qu'à faire, on est là, on est là. Peut-être que les objets qu'on aura ici, on les trouvera nulle part ailleurs. Alors hop, on va regarder en premier dans les tonneaux, enfin dans les jarres ou je sais pas c'est quoi. Pointe de flèche perçante, tu vois, ça c'est utile, on pourra se faire des petits objets pour les prochains combats. Noix creuse, vieux kunai, et là c'est quoi? Masque de jade et Koban. S'en fout, on va venir ici. Ici il y a sûrement des trucs aussi. Mime. Et voilà. J'espère que vous êtes en train de kiffer cette série pour l'instant, hein, parce que je sais que Storm 1, ça avait été quand même bien vu, pas mal vu pour une petite chaîne comme la mienne. J'étais content des vues sur Storm 1. Commentaires, les retours aussi. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, fais le 2, fais les 2. Et je sais que je fais souvent, quand je fais le 1 d'un jeu, par exemple, on va dire, il y a un jeu qui est sorti en... Voilà, il y a le 1, le 2, le 3, le 4. Quand je fais le 1 du jeu, souvent je fais le deuxième... toujours longtemps après. Et j'avoue que ça c'est chiant. Il faudrait que je fasse suivre un peu mieux les trucs, quoi. Mais voilà, donc dans tous les cas, les épisodes de Naruto seront quand même assez proches les uns des autres. Enfin, ils sortiront pas en mode j'en sors un par semaine. Ça sera vraiment bien suivi. Et le 3 se fera normalement pas beaucoup de temps après. Donc voilà, vous inquiétez pas, tout va venir. Surtout si je vois que les vues, enfin que cette série-ci vous plaît. Si je vois que ça vous plaît, ben ça me motivera encore plus à faire le 3 juste derrière, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, surtout, ça me ferait super plaisir. Déjà ça va. Là je suis prêt, bon j'ai pas le choix de toute façon. Sasuke, on arrive. Nous arrivons Sasuke. J'ai commencé Boruto. J'avais fait une petite pause entre les épisodes, les tournages. Et j'ai commencé Boruto. Ça m'a l'air pas mal, hein. J'ai vu le premier épisode. Ça a l'air pas mal. Déjà le premier épisode commence où il y a Boruto qui est adulte. Et puis ils disent revenons quelques années en arrière. Et là ça commence, enfin, ça m'intéresse en tout cas. Cette voix, enfin on t'a trouvé. Sasuke. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? On est venu te ramener. Désolé mais tu ne peux pas refuser, nous te traînerons s'il le faut. Je me demandais où était Kakashi, vous êtes venu à sa place. Et lui c'est mon remplaçant. Je veux voir le lien qui vous unit Naruto et toi. Un lien? Encore un mensonge. Quoi? Quand on éprouve trop d'affection, on court à sa perte, c'est contraire à l'ambition. Tu vois, je ne connais qu'un seul lien, celui qui me lie à mon frère, un lien de haine. J'ai rompu tout lien avec toi il y a 3 ans de cela. Rompu tout lien, ne dis pas de bêtises. Tu peux le nier autant que tu veux, mais nous restons liés. Ce lien existe toujours aujourd'hui, comme il y a 3 ans. Toi et moi sommes connectés. Ce lien que j'avais réussi à établir, tu ne peux pas le couper aussi facilement. Je ne peux plus reculer. S'il en est ainsi, je vais devoir le couper moi-même. Naruto, bon, s'il a décidé d'en faire qu'à sa tête, il va falloir le ramener de force. Et bim! Combat contre Sasuke. Premier combat contre Sasuke. Première fois qu'on voit Sasuke dans le jeu. Sixième épisode. Bon, dans le manga aussi, c'est comme ça. Dans le manga, on voit Sasuke après je ne sais combien d'épisodes. Enfin, peut-être une cinquantaine, peut-être, j'en sais rien. Je te ramène au village, quoi qu'il en coûte.
Je sais pas si c'est un combat de boss ça, mais je pense pas. Je n'ai même pas capable de m'égratigner. C'est parti. Ah si, c'est un combat de boss. Stylé. On commence l'épisode avec un bon combat de boss. Ça me dérange pas du tout. Rasengan! Allez, prends-toi ça. Vas-y, Sai. On va tes chiens là. Wow, 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 c'est quoi ça? Oh. Ah putain, il est chaud. Prends-toi ça. Ok, ça va partir en QTE maintenant, je pense. Oh là là. Les flûtes des mille oiseaux! Bim! Toujours essayer d'avoir le facteur secret, bien sûr. Oh putain, chaud ça. Multiclonage supra! Il a fait une espèce de mur de clones. Prends-toi ça dans la gueule. Pourquoi? Pourquoi ne comprends-tu pas? Sasuke! Ah là là! À ce rythme-là, tu vois. À ce rythme-là, on va lui défoncer sa gueule. Putain, j'ai plus de coéquipier là. Rasengan! Bim! Putain, tu vas te calmer! Quoi? Wow, trop stylé! Ils nous reviennent dans le passé et tout. Putain, trop cool. Voilà, ça c'est stylé, vraiment. Ils ont... J'avais zappé ça, j'avais oublié ça. Trop stylé, wow. Ok, ça part en QTE. Faut qu'on remplisse les dernières étoiles. Assez discuté. Sharingan. C'est bon, on a tout. Niveau étoile, donc on est bien. Wow, l'esquive. Bim, prends ça dans la gueule. Qu'est-ce que t'as? Est-ce que ça t'a réveillé? Tu n'es encore qu'un gamin. Katon! Boule de feu suprême! Wow! Putain, chaud ça. Pouah, elle a repoussé, hein. Quel combat, les gars. Les combats de boss dans ce jeu sont incroyables! C'est incroyable, Zinedine! Putain, Rasengan géant. Je vais te ramener au village. C'est fini. Pouah. Trop stylé, putain. Trop stylé. Vraiment. Pouah, putain. Quel combat, les gars. Quel combat, les amis. Facteur secret. De nouveau en combat entre deux, les deux frérots. Première fois quand ils étaient petits, Naruto avait perdu. Pouah, le Rasengan immense. Franchement, putain, on commence bien cet épisode. Hein. On commence très bien cet épisode. Gros combat directement. D'entrée de jeu, mon gars. Bon, on se prend un S. Oh, 100% de PV, mec.
Qu'est-ce que tu veux de mieux? Qu'est-ce que tu veux de plus? Grand S, bim. Et c'est un succès, force inégale. Vous avez reçu le rang S dans le duel entre amis. Po! Pas mal. Mais les jeux s'arrêtent ici. Mais alors, ils ne se battaient même pas pour de vrai. Je vais t'éliminer pour de bon. Sasuke ne fait pas ça. Pourquoi m'arrêtes-tu? Ah, il allait faire cette technique là. Pourquoi je pensais qu'il pourrait vider les rangs de la Katsuki à notre place? Si d'autres membres de la Katsuki n'intervenaient, tu ne pourrais pas prendre ta revanche. C'est une excuse ridicule, pas totalement. Même si cela augmente ta peine, tes chances de perdre ta revanche, pourquoi ne pas essayer? Viens, allons à notre repère. Il est stylé Sasuke comme ça. Nanakute Bayo! Sasuke, je te le répète, il ne veut pas t'écouter. Il ne veut plus t'écouter. Sasuke. Sasuke! Et oui, Sasuke va se tirer, les gars. C'est triste, Naruto. À bientôt. Oh putain! Sasuke! C'est une ordure! Je n'ai pas pu l'arrêter. Ça viendra, mon pote, t'inquiète pas. Je suis une merde. Ah ouais, ça tu peux le dire. Hein. Ça tu peux le dire, ma gueule. Quelle est la nature de votre lien? Hein? Ce que tu viens de dire à Sasuke, même s'il refusait de t'écouter, tu disais que le lien existe toujours. Que vous êtes toujours liés. Tu crois qu'un lien aussi puissant peut céder à cause de ça? Ça y est, non jamais. Dans ce cas, tout va bien. Tu peux encore le ramener. La prochaine fois, je serai là. Et après tout, on a plus de chances de réussir à 3-4-2. Ça y est. So are you. Arigato. Saranaya. Le combat commence à peine. Eh ouais. Le combat commence à peine, les amis. Putain. Et ben voilà, chapitre 2. Deux combats de boss hein, dans le chapitre 2. Vraiment stylé. Alors qu'il n'y avait plus aucun espoir pour Sasuke. Et on n'abandonnera pas. Moi, la mission a échoué, mais quand je vois leur regard, tant qu'ils auront cette lueur dans les yeux, ils se battront, rien ne pourra les décourager. Ces gosses sont prometteurs. Très bien. En ce cas, j'ai des nouvelles missions pour l'équipe 7. Je vous confierai la prochaine bientôt, en attendant, restez tous aux aguets. Compris. Je compte sur vous. Os. Et ben voilà. Chapitre 2 retrouvailles terminé. Cool. Alors le 3, je me demande c'était quoi. Après, je sais plus c'est quoi l'ordre. Peut-être qu'après, ce sera le délire. Sasuke va essayer de retrouver Jugo et tout ça, non? Orochimaru, Kabuto disponible. Okay. Ouais, je pense qu'après, ce sera plus délire du côté Sasuke qui va essayer de retrouver Jugo. Et les autres, là. Terminer les chapitres 2. Ouais, je vais les exploser. Merci pour le repas, Maître Hiruka. Pas de quoi. Vous m'invitez souvent à manger ces temps-ci, maître. Vu comme tu travailles dur, tu peux dire que c'est une récompense. Alors si je continue à travailler dur, vous me paierez toujours des nouilles. Bah voyons, tu veux ma ruine. Bien, je vais rentrer à l'académie. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que j'aille retrouver Sakura et les autres. Encore une mission, tu es vraiment très occupé. Fais de ton mieux. T'inquiète pas, Sensei Hiruka. Ouah, wow, j'ai une petite lettre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait bien qu'une poupée maudite a été trouvée. Il faut que je rajoute ça. Ok. Bon, les poupées maudites, on verra après. Hein. Là, on va aller ici.
qu'on aille par là. C'est quoi ça encore ici? Ah, c'est le fleuriste. Ça sert à quoi ça? Ça sert vraiment à rien. Les offrir comme cadeau, elles sont. Ok. T'as 10 000 balles! Oh, ouais. Ouais. Comment on fait pour enlever les cadeaux? Hein? Comment on fait pour enlever les cadeaux? Voir les équipiers. C'est peut-être comme ça, non? Non, même pas. Je peux pas encore envoyer. Je peux juste voir le niveau d'amitié, mais je sais pas comment faire pour les monter. Peut-être ici, si je vais dans les cadeaux, voilà. Je peux même pas envoyer. Je peux pas envoyer les cadeaux comme ça, en fait. Il y a sûrement un moyen, hein, mais... carte du monde... Attendez, carte du monde, c'est quoi? Okay, village de Konoha, forêt de Konoha. Terrain d'exercice. Désert du vent, village du sable. Repère de la Katsuki, forêt de la tranquillité, pont du ciel et de la terre. Repère d'Orochimaru. On n'a pas encore tout vu, c'est normal. Carte de ninja. On n'en a pas beaucoup, hein. On a acheté que quelques-unes. Il y en a blindé, je pense. Hein. Attendez, il y en a combien là? On a 200, je pense. On a 200. Hein. Bon, on essaiera d'en avoir le max, mais c'est pas très important. Collection, il y a quoi ici comme collection? Technique secrète, combat de boss. Ok. Technique secrète, j'ai rien non plus. Ça, il faut acheter, à mon avis, dans les magasins. Comme dans le 1, comme dans Stamp 1, je pense qu'il y avait aussi un délire comme ça. Bon, bah écoutez, on continue, hein. Continuons. Petite musique, les gars. Désolé pour l'attente. Tu es en retard. Désolé, je mangeais des nouilles avec mes trivocas. Tu exagères, le capitaine Yamato nous attend. Allez, dépêche-toi. Ouais. Ok, allons voir le capitaine Yamato. Naruto Sakura. Qu'est-ce qu'il y a? Il a l'air différent. J'ai lu dans un livre comment faire pour être à l'aise avec les autres. Il disait qu'il faut appeler les gens par leur prénom pour créer un lien de proximité, même devenir ami. Alors je me demandais si je pouvais être un peu moins formel quand je vous parle. Ah, je pensais. Ah ouais, c'est vrai que ça, il lit des livres pour être pour savoir comment être pote avec les gens, je me rappelle. Sakura et ça, allons voir ce que le capitaine Yamato. Okay. Allons voir ce petit capitaine Yamato. Bon, les missions là, on va pas faire ça maintenant. Salut. Hein, c'est maître Kakashi? Vous allez mieux? Oui, grâce à vous, j'ai pu me reposer tranquillement, ça me va. Alors, c'est toi la nouvelle équipe de Sai, c'est ça? Enchanté. Ouais. Maître Kakashi, il y a quelque chose que j'avais envie de vous demander. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, c'est sérieux? Bon, on est allé au pont du ciel et de la terre et... C'est ça, Yamato m'a raconté, il m'a dit pour Sasuke. Et ouais, hein, c'était le fameux combat. Ils sont incapables de le ramener en l'état actuel des choses. Sasuke est devenu beaucoup trop fort pour lui. Dans ce cas, il va falloir que tu deviennes encore plus fort que lui. Hein? J'ai un peu réfléchi et j'ai une idée. Si cet entraînement réussit, tu pourras même me surpasser. Me surpasser, maître Kakashi, mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez essayer de créer une ninjutsu ultime rien que pour toi. Ah ouais, c'est là qu'il va créer le... Rasen Shuriken, là, un truc comme ça. Un ninjutsu ultime pour moi? Ouais, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Tu veux essayer? De toute façon, je dois absolument devenir plus fort. Alors, s'il y a un moindre chance que ça marche, je le ferai. Bonne réponse. Alors, allons terrain d'exercice, viens quand tu es prêt. Ah ouais, non, il y a aussi l'attaque des mecs de la Katsuki. Genre, il y a... T'as Idan qui vient avec... avec l'autre et tout, là. Pendant ce temps... Ça et moi, nous allons faire une mission ensemble, pas de problème. Bien, ton intelligence me facilite les choses. Ouais, t'es sûr, Sakura, ce sera peut-être un peu difficile s'il n'y a que vous deux. C'est le moins que l'on puisse faire, vu qu'on ne peut pas t'aider. Mais tu as intérêt à réussir ton entraînement, compris? D'accord. Très bien, en avant pour le terrain d'exercice, Kakashi nous y attend. C'est quoi, c'était Idan et l'autre c'était... Le mec avec ses espèces de marionnettes là, noires là, espèce de truc noir, j'ai oublié son nom.
Je sais que eux aussi vont venir et ils vont, on va devoir les niquer quoi. Allez, on est parti. Alors, est-ce qu'avec tous les trucs que j'ai récoltés, est-ce que je peux pas me faire des objets ici? À un moment donné, voilà quoi. Acheter. Bon, pommade, on va en acheter un hein, parce qu'on en a plus. Non mais, calme-toi gros, calme-toi. On va en prendre quoi? 5. Ici, on va en prendre 9. Ouais, comme ça. Tout le reste, zombie. Hein. On confirme ça. Et ici, niveau composition. Ça, je peux me le faire, tu vois. On se fait ça. C'est pas célébrité, putain, je suis con, c'est célérité. Je viens de lire le truc. Dans les derniers épisodes, je disais célébrité. Saut de paresse. Ah, je peux confectionner plein de trucs, hein, avec tous les objets que j'ai pris. Saut de perforation. Tac. Écoutez, on va faire tout ce qu'on peut prendre, hein. Si ça peut me servir en combat, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ah, Kuna explosif, ça c'est bien. Un explosif lourd, il me manque des trucs. Je peux encore en faire un, non, même pas. Sphère explosive, ça c'est bien aussi. Ok, cool. Donc ça fait des petits objets, on se les mettra avant les combats, hein, tranquillement. Allons au terrain d'exercice. On va commencer. Je pense que l'entraînement qu'on va faire, c'est maîtriser le vent, je pense. Parce qu'à mon avis, Kakashi lui dit que son élément, c'est le vent. Et qu'il doit apprendre à le maîtriser. Donc c'est comme ça qu'il va apprendre à faire le Futon, Rasen Shuriken. Oh, il y a Azuma qui est là. Allez, on continue. Tranquillement, mais sûrement. Je sais qu'à un moment donné, on contrôle Sasuke aussi. Si je me rappelle bien, si je dis pas de conneries. Mais je me rappelle vaguement quoi, des trucs. Oh putain, on a des trucs ici. C'est quoi ça en fait? J'aimerais bien savoir c'est quoi. Hein. On a encore un ici. Parce que mon manque blindé, hein. J'ai le 19, le 20, mais j'ai pas eu le 15, ni le 14. Mais... Donc, quelqu'un d'exercice, c'était par là. Merde, choper l'île de crapaud. On y est. Alors, ah vous voilà. Maître Kakashi, on y va? Tu es vraiment impatient. Alors, par quoi je commence? D'abord, il faut décrire la nature élémentaire de ton chakra. La nature élémentaire de mon chakra, c'est quoi? Chaque chakra est lié à un élément. Feu, eau, terre, vent ou foudre. Bon, plutôt que de longues explications, passons à la pratique. D'abord, nous allons nous battre, je profiterai pour vérifier la nature élémentaire. Ok. D'accord. Très bien, Kakashi, si l'on est ainsi. Si l'on est ainsi, pourquoi pas. Allez, c'est parti. On y va. Éveil inutilisable, bien entendu, comme d'habitude. Ils sont deux contre moi, ces enfoirés. Ok, hop. Bim. Oh! Pouf! En passant à Gal. Parchemin explosif. Merde, 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 merde. Fils de chien. Il a tout évité, il a tout évité. Je suis désolé, Kakashi. Oh l'enfoiré. Oh, tu veux te la jouer comme ça. Eh putain, il devient chaud là. C'est quoi ce. Putain, il m'enchaîne à ses combos. Cassez-vous! Putain, les gars, ça devient compliqué là. Hein. Ça devient de plus en plus chaud là. Tiens. Putain, ça devient de plus en plus chaud là les combats. Hein. Là, on est plus au début du jeu là. Là, ça devient. C'est le mec. Merde, espèce d'enfoiré.
Non, 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 Sengon. Ok, il va crever maintenant. Ok, bon, putain, il m'a quand même amoché, hein. Il a failli m'enlever une jauge de vie. Et on verra la nature de mon chakra plus tard. Réussite, tranquille, tranquille et tranquille. B. Ok, très bien. On a eu du B. Putain, hey, par contre, Storm 4, ça fait des années qu'il est sorti. Et on n'a toujours aucune nouvelle de nouveau jeu Dragon Ball. Hein. Pas de Storm 5 ou pas de jeu sur, sur le manga Boruto. Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez d'histoire encore. Je sais pas. Pour faire un jeu. Alors, c'est quel élément? L'élément de ton chakra est le vent. Un chakra qui balaye tout sur son passage redoutable en combat. Ouais, je le savais, rien ne peut m'arrêter. Minute papillon, ce n'est que le début. Oh merde, j'ai appuyé trop vite. D'accord, allons-y. Bien, comme l'élément de la route et le vent, je sais exactement à qui faire appel. Je vais faire appel à qui encore? Ah, Azuma, c'est vrai. Azuma. Parce qu'Azuma aussi, c'est le vent, je me rappelle. Oula, ça sent la Katsuki, ça. Voilà, je me disais. C'est Idan et l'autre, j'ai oublié son nom. Allez, on fait une pause, d'accord? Je ne peux plus marcher. Eux, ils vont capturer les démons à deux queues et tout, là, je me rappelle. On a terminé avec les deux queues. Ouais, voilà. Putain, je connais l'histoire. C'est un truc de fou, les gars. Je connais l'histoire par cœur, mais de ouf. C'est comme Dragon Ball, hein. On a terminé avec le deux queues, alors personne ne nous en voudra de faire une pause. Ah, Kakuzu, voilà. C'est Kakuzu, putain. Tu parles trop. Qu'est-ce que tu dis? Tais-toi et suis-moi, Idan. Si tu as écouté ce que je disais au moins, hein. Tu m'ignores encore? L'inferme ne m'oblige pas à répéter, tais-toi et suis-moi. Bon sang. Alors, où on va? Le pays du feu, apparemment, c'est là que se trouve l'hôte du démon à 9 queues. Les démons à 9 queues, hein. Un autre sacrifice pour le seigneur Jashin, je vais jouer avec lui avant de l'enterrer. C'est bien d'être motivé, mais ne t'emballe pas trop, ça va finir par se retourner contre toi. Non, mais c'est toi qui me dis ça? Je suis impatient de voir ça. Ah ouais, Idan, hein, Idan Kakuzu, Kakuzu qui tue Azuma. La Katsuki immortelle. Aïe 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 aïe. Petite musique. Je me demande à combien de chapitres. Bon sang, j'ai un corps perdu. Ouais, il joue au Shogi. Et la prochaine fois, je ne perdrai pas. Tu me vois mal perdre contre vos Shogi, Azuma. Petit insolent, tu veux te battre? Mais c'était bien essayé malgré tout. C'est dommage, hein, que Azuma il dead. Quoi, le Bogin? Sacrifie une pièce pour entrer dans le camp adverse. Je croyais que vous détestiez ça. Contre un adversaire coriace, il faut savoir faire des sacrifices pour protéger son roi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, je viens de comprendre à quel point le roi est important. Et si Konoha était un plateau de Shogi et les ninjas des pièces, qui serait le roi, selon toi? Le Hokage, j'imagine. C'est ce que je pensais, mais en fait, non. Alors, ce serait qui? Tu le sors en temps voulu. Bon, il faut que j'y aille. Vous devez faire quelque chose? De la basse besogne pour Kakashi, je vais au terrain d'exercice. À la prochaine. Ouah, je contrôle Azuma, putain, stylé. Franchement, c'est stylé, on contrôle plein de personnages différents. Ah, ça fait vraiment plaisir, hein. Putain, Naruto, quoi, quel manga. Franchement, les gars, One Piece, par contre, vous me direz, il y a quoi de wow dans ce manga, parce que j'arrive pas à accrocher, j'accroche, mais vraiment pas. J'avais regardé, je pense, il y a 2-3 ans, les 100 premiers épisodes. Et jusque quand ils arrivent à Alabasta, je pense. Mais j'accroche pas, hein. J'arrive pas à accrocher. C'est ouf. Après, bon, peut-être il faut que je continue à regarder, je sais pas, hein. Mais voilà. Mais à un moment donné, voilà, je commencerai. Et comme Naruto, hein. Naruto, à un moment donné, il y a, je pense, un an ou deux, j'avais vraiment tout revu. De quand ils sont petits jusque maintenant, la fin de Shippuden. Là, je viens de commencer Boruto parce que j'ai jamais vu. Sur Netflix, il y a genre les 80 premiers épisodes. Donc ça, c'est bien. Et je vais me les faire, quoi. Salut, désolé pour l'attente. Après, qui sait, pourquoi pas commencer One Piece, tu vois. Pourquoi pas.
Enfin, reprendre One Piece plutôt. Après, Dragon Ball aussi, je suis à jour. J'ai tout vu Dragon Ball Super. J'ai même regardé Dragon Ball Génération, je sais pas quoi. Enfin, voilà. Je sais plus c'est quoi l'autre. Non, Heroes, Dragon Ball Heroes, c'est ça. Même ça, j'ai regardé. J'ai pas tout fini, mais j'ai regardé la moitié, je pense. Tu m'en doutes, tu veux savoir où est l'astuce, c'est ça. C'est ça. Ce n'est pas vraiment une astuce en fait, c'est très facile à tenir. Divise ton chakra en deux parties et frotte les unes contre les autres quand on aiguise, comme quand on aiguise une épée. Comme si j'aiguisais une épée, hein. Tu comprends mieux si je te le montre en plein combat. Réfléchis à ce que je te dis, il y a l'instant. D'accord, je vais essayer. Azuma, je le trouve stylé, hein. En plus, quand il est en mode éveil, il sort ces trucs-là, on voit le chakra sortir de ses lames, c'est vraiment stylé. Putain, ah, ouais. Je sais pas si l'éveil. Je pense pas que l'éveil. Gagner le combat. Non, même pas. Je pense que je peux utiliser le mode éveil. Hein, mais bon. Pour ça, il faut que. Ah, il est trop stylé. Pour ça, il faut que Naruto me tape. Allez, prends-toi ça, ma gueule. Lui ardente. Katoum! Ouah, il est stylé. Franchement, Azuma, il est stylé. Voilà, voilà, voilà. Pouah. Tranchage, ma gueule. Barre-toi d'ici. Je vais essayer de lui faire la technique secrète pour terminer. Mais... Tiens. Pouah. Ah, j'aime bien Azuma, c'est un mec stylé quand même. Tu vois, tu n'es plus le même Naruto qu'avant. Cool, on l'a vite éliminé. Bon, j'ai pas pu me mettre en mode éveil, mais... De toute façon, je sais même pas s'il y aurait eu mode éveil, mais... C'est pas bien, le soutien. Cool. Guide du vainqueur, bien utiliser le soutien. Ne faites pas appel à votre soutien n'importe comment. Mieux vaut le faire intervenir pour vous assurer. Ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mon gars. Oui. Ouf, on dirait que ça rentre. Bien, si tu continues comme ça, tu vas développer ta capacité de changement d'élément. Oh, je commence à maîtriser. Merci beaucoup, maître Azuma. Merci pour ton aide, Azuma. Naruto fait beaucoup de progrès. Oui, il devient de plus en plus fort. Une nouvelle ère approche, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a? Et il faut que j'y aille. J'inviterai à manger pour te remercier. Autant dire que j'ai le temps. Cool. Allez, on est parti. On laisse Naruto ici. Bon. Bon, bon, bon. On contrôle toujours les humains. Il me demande d'aller où là en fait. Quand on a la six. Non. Ça qui craint, j'aime pas voir. Bon, c'est pas grave. On fait juste ce qu'ils nous disent de faire et on y va. Et on y va. Tous les cas, on est déjà à 30 et des minutes là. On va bientôt arrêter. Hein. On va bientôt arrêter. On va se rapprocher un peu là-bas et puis. Puis je pense que ça ira. Ah, Kurenai. Azuma. Oh, Kurenai. Qu'est-ce qu'il y a, un problème? Non, rien de grave, c'est juste... Naruto, hein. Et pas que Naruto. Toute la team. Shikamaru et les autres et le groupe de Kiba, ils grandissent tous. La nouvelle génération arrive. Sans doute, ils ont encore beaucoup à apprendre, mais ça viendra avec l'expérience. Et c'est ça qui te fait déprimer? Je suis tellement fier de toi. Mais tu es peut-être un peu seul ces temps-ci. Bah, tu as peut-être raison. Ah, bon, voilà. Shikamaru, qu'est-ce qu'il y a? Le cinquième Hokage a convoqué une assemblée. Vous devez venir au manoir immédiatement. Une assemblée? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je ne sais pas. Ils m'ont pas dit. Très bien, j'y vais. Au revoir. Azuma. Ne t'inquiète pas, c'est pas bien grave. Très bien, on va aller au manoir, enfin on va surtout arrêter l'épisode ici.
Dès que je vois un truc, on peut sauvegarder. Une petite maisonnette. Ah voilà, ici on a une. Et ben voilà les amis, on va arrêter cet épisode ici. L'épisode 6, pas mal. Riche en émotions. On a battu Sasuke. On s'est combattu contre Sasuke. Naruto s'entraîne pour maîtriser une nouvelle super technique. Et bien voilà, on se retrouvera au prochain épisode les gars. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à mettre un j'aime, un commentaire. Allez voir mes autres vidéos, pourquoi pas les gars. Je suis sûr qu'il y a d'autres let's play qui peuvent vous intéresser. C'était Lucas Certain, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Ciao.